Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on est parti pour une petite vidéo des produits terminés. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais je me suis dit, allez hop, je vais faire quand même une petite vidéo. Donc, si vous passez sur ma chaîne Les Folies de Céline, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, c'est tout. Donc, on va commencer par mes produits terminés ou en cours. Presque pas terminé, donc il m'en reste encore un petit peu. Donc j'avais pris le L'Oréal, la crème collagène anti-rides. Voilà, celui-là, je l'avais trouvé chez Action pour moi et pour monsieur. Donc presque terminé. Ça va, celui-là, il est pas mal. Ce qui me fait rire, c'est le H plus 30 ans. Merci de nous faire voir. Qu'on chope un coup de vieux et donc à en racheter celui-là. Alors on va parler des masques Action. Alors je les ai terminés vite fait, bien fait, mais il m'en reste encore, mais je vais pas les terminer, ça sera poubelle. Voilà, je suis tombée sur certains qui puaient, qui me donnaient des plaques sur visage, donc je n'ai pas insisté. J'ai fini également ma petite crème escargot de chez Action. Celui-là, je ne vais pas en prendre non plus. En fait, Action en ce moment, à part les palettes et certains maquillages, ça me gave. Donc, franchement, ça fait un petit moment que ça me gave, Action. Donc, tout ce qui est produit, crème, à part la crème anti-âge, je continuerai à en acheter. Mais... voilà, réduire les dépenses, réduire les achats, voilà, qui ne servent à rien. Donc pour moi, celui-là, il hydrate, mais sans plus. Donc achat inutile pour moi, donc je ne reprendrai pas. L'eau de rose, pareil pour moi, c'est un achat inutile. Je vois pas de changement. Bon, ça fait un peu son travail, mais je ne reprendrai pas non plus. J'avais pris, produit terminé, le Icota Peeling, voilà, de chez Action. Celui-là, ça dépendra s'il me reste du gommage ou pas. Ça dépend à voir si j'en rachète ou pas. Voilà, selon mes envies. Les petits baumes comme ça, celui-là, il est terminé aussi. Il m'en reste encore quelques-uns, donc je vais les finir. Donc, voilà, c'est pas dit que j'en rachète non plus. Voilà, trop d'action tue le action, donc voilà, je vais peut-être passer un peu à autre chose. Alors, on va parler les cheveux. J'avais pris l'ultra doux crème de soin, voilà, de la marque Garnier. J'avais explosé, c'est pas grave, je peux quand même l'utiliser. Alors, celui-là, je le reprendrai parce que franchement... moi qui ai les cheveux super secs, super touffus, super maltraités par mon fer à lisser et sèche-cheveux. Donc celui-là, franchement, il est top, donc j'en reprendrai. Et dans la gamme des cheveux aussi, j'avais pris le sérum de lissage L'Oréal. Celui-là, ça fait deux fois que je le prends et je l'ai terminé aussi. L'odeur est juste top, donc j'en reprendrai. Celui-là, je crois que c'était Leclerc ou Intermarché que je l'avais pris, je ne sais plus. Donc ça, j'en reprendrai. Voilà, le sérum, il me reste juste encore de me faire, de quoi me faire 3-4 fois encore. Et celui-là, pareil, le Pureté Pamplemousse Neutrogena. Voilà, celui-là, il m'en reste encore pour 3-4 jours. Donc celui-là, j'en reprendrai. Voilà, moi je suis une fada de Neutrogena. Et puis, j'avais parlé des perles de linge que j'avais pris chez Aldi. Je suis en rupture de stock, j'en ai plus. Donc, je n'irai pas en reprendre à Action parce que chez Action, il est plus cher que chez Aldi. Aldi, j'en trouve plus. Donc, dans la semaine, j'irai fouiner dans certains magasins, voir si j'en trouve. Mais voilà. Celui-là, l'odeur est juste top. Et sur les fringues, ça reste super longtemps. Donc, celui-là, Aldi.
Donc, voilà. Alors, on va parler rouge à lèvres. Un, je les ai là. Alors, j'avais pris une gamme, enfin une collection de maquillage de rouge à lèvres sur un site. Voilà, je ne vais pas citer de nom. Donc, la Céline, évidemment, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle prend toutes les couleurs, toute la collection. Et ce matin, j'ai voulu l'utiliser. Et ben, super déçue. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Mon petit rouge à lèvres. Voilà, il m'en reste encore pas mal. Donc, je vais le tester devant vous. Vous voyez quelque chose? Presque rien. Faut vraiment. Alors la matière, elle est super pâteuse. Faut vraiment forcer. Et franchement, je suis dégoûtée. Donc, eh ben, ma collection de rouge à lèvres, j'en ai 3, 4, 5, direction poubelle. Donc, celui-là, pareil, super pâteux, il n'y a rien qui va. Vous voyez, je passe, il n'y a rien. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, marque Dedona. Le packaging, il est super mignon. Mais il n'y a rien qui... nada. Donc voilà pour mon petit, ma petite vidéo produit terminé et produit direction poubelle. Donc voilà. Donc si vous passez devant ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis à me laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et je vous dis à plus tard.